Bonjour à tous. Le drame commence avec la fille Myung, qui arrangeait ses vêtements et parlait avec son ami au téléphone. Et soudain, Myung entend la voix du propriétaire de la maison puis va la voir. Mais elle se dispute avec elle et lui demande de payer le loyer ou elle la expulsera de l'appartement. Myung est une orpheline qui n'a pas d'argent et dit au propriétaire de la maison qu'elle paiera bientôt son loyer. Dans la scène suivante, la petite fille Nojin jouait avec ses amis, qui se moquaient d'elle parce qu'elle est orpheline et sans père, et au bout d'un moment, sa sœur Myung apparaît et entend les filles se moquer de sa petite sœur. Puis elle s'énerve et s'en va. Après cela, Myung se rend au travail et parle avec sa collègue nommée Kocha. Un jour, Nojin revient de l'école mais se tient devant un restaurant et regarde la fille manger avec son père et il est clair que Nojin était contrarié parce qu'il n'y a pas de père avec elle comme les autres filles. Quelques instants plus tard, le propriétaire du restaurant sort pour parler à Nojin et la gronde de se tenir devant son restaurant. Nojin lui répond en lui disant qu'elle est orpheline et pendant ce temps, une personne nommée Toshan apparaît et entend les paroles de Nojin et est agacée par les actions du propriétaire du restaurant et dit à l'enfant qu'il deviendra son père. Le propriétaire du restaurant est gêné et s'excuse auprès de Toshan. Toshan invite l'enfant à manger tout ce qu'elle veut et une fois qu'elle a fini de manger, Nojin rentre chez elle et retrouve sa sœur, qui s'inquiétait pour elle parce qu'elle était en retard. Nojin dit à Myung qu'elle aimerait avoir un père avec elle et lui demande si elle a aussi le même sentiment. Myung répond en disant qu'elle a aussi besoin d'un père mais qu'elle est heureuse d'avoir sa petite sœur avec elle. Un jour, Myung était au travail et soudain, Toshan arrive sur son lieu de travail et lui dit qu'il aimerait qu'elle et sa sœur soient son père. Myung est très surprise car elle ne sait pas qui est Toshan, qui lui explique qu'il a rencontré sa petite sœur au restaurant et l'a invitée à manger avec lui. Mais il a remarqué qu'elle ne mangeait pas puis lui a demandé pourquoi elle se tenait devant le restaurant. Nojin lui a dit qu'elle ne se tenait pas devant le restaurant parce qu'elle avait faim. Mais elle regardait une fille assise avec son père. Toshan lui a demandé si elle aimerait avoir un père. Nojin a répondu en disant que son souhait de vie est d'avoir un père qu'un père protège et prend soin d'elle. Après avoir expliqué, Toshan dit à Myung qu'il a arrangé le contrat parce qu'il aimerait être père lui-même. Mais Myung refuse de devenir sa fille parce que les gens diront du mal d'elle parce que Toshan n'a que 5 ans de plus qu'elle. Toshan répond en disant qu'il connaît sa situation financière et qu'elle a besoin d'une maison pour vivre et commence à expliquer pourquoi il veut devenir son père. Où il lui dit que sa grand-mère est décédée il y a un mois, mais elle a écrit dans son testament que l'héritage devrait être reçu par le petit-fils qui a donné naissance à une ou plusieurs filles. Et la validité du testament n'expire que 2 mois après la mort de la grand-mère où l'héritage passera à l'oncle de Toshan. Alors Toshan a dit à l'avocat qu'il devait enregistrer une fille fictive à son nom sur papier pour empêcher son oncle de se marier l'héritage. Toshan essaie de convaincre Myung, qui était déterminé à la décision de la refuser, et elle lui dit qu'il est impossible d'approuver sa demande. Plusieurs jours passent, le propriétaire de la maison se rend chez Myung et lui dit qu'elle a la dernière chance de payer le loyer. Myung ne sait pas comment la payer puis décide d'aller à Toshan et lui dit qu'elle accepte d'être sa fille légale. Après cela, Myung se rend avec sa sœur chez Toshan, qui lui dit qu'elle dormira à l'étage avec sa sœur et qu'il dormira en bas. Myung est surprise et dit qu'elle n'était pas d'accord avec Toshan dans le contrat pour vivre avec lui dans la même maison. Toshan lui dit qu'il n'y a aucun problème à vivre avec elle dans la même maison car il est devenu son père légal sur le papier et devant tout le monde. Une semaine plus tard, Nojin est allée à l'école et elle est heureuse parce qu'elle a un père comme le reste de ses camarades de classe et à la maison. Nous voyons Myung se battre avec Toshan parce qu'elle aimerait faire ce qu'elle veut sans son ingérence. Puis les deux commencent à écrire des choses qu'ils n'aiment pas faire et s'accordent sur certaines règles à ne pas dépasser. Au cours des frictions et des désaccords qui se produisent entre Myung et Toshan, les deux commencent à être attirés et tombent amoureux l'un de l'autre. Un jour, l'oncle de Toshan arrive à la maison et trouve Myung devant lui puis demande à Toshan pourquoi elle est là. Toshan ne voulait pas ruiner son plan et il a donc dû mentir en disant que Myung n'est que la femme de ménage. L'oncle de Toshan quitte la maison et ordonne à son assistant de surveiller les mouvements de Toshan et de l'informer de tout ce qui se passe avec lui. Nous retournons à Toshan qui s'excusait auprès de Myung d'avoir dit qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Myung répond en disant qu'elle n'est pas en colère contre lui et s'en va, cachant la douleur dans son cœur. Un jour, deux femmes sont venues sur le lieu de travail de Myung pour porter plainte contre sa petite sœur Nojin pour avoir battu leur fils. L'une des femmes dit à Myung qu'elle va se présenter à la police et se moque d'elle parce qu'elle ne pouvait pas bien élever sa sœur. Le collègue de Myung essaie de la défendre et soudain, Toshan apparaît et interrompt leur conversation et commence à défendre Myung et dit aux deux femmes qu'il a obtenu l'enregistrement de la caméra de surveillance et a regardé leur fils quand il battait Nojin et il est prêt à faire face à la situation légalement.
mais les deux femmes s'excusent auprès de lui et disent que les enfants se disputent toujours les uns avec les autres et c'est normal. Toshan refuse de s'excuser auprès des deux femmes et leur demande de s'excuser auprès de Myung, qui était heureuse que Toshan l'ait défendue. Myung rentre chez elle et trouve Toshan devant elle qui était censé être au travail mais a changé ses horaires de travail et lui demande de marcher avec lui dehors. Les deux sortent ensemble et achètent des jouets pour Nojin, puis les deux s'assoient ensemble et Toshan parle à Myung de lui-même, où il dit qu'il est orphelin comme elle, mais qu'il vivait avec sa grand-mère, et nous remarquons à travers la scène que Myung a commencé à être attiré et à admirer Toshan, mais elle essaie de cacher ses sentiments. Le lendemain, le directeur de l'école appelle Toshan et lui demande si le père de l'élève Nojin, puis lui demande de venir à l'école pour résoudre les problèmes de sa fille. Toshan va à l'école et règle tous les problèmes de Nojin, puis lui achète des jouets et de retour à la maison, Myung interroge sa sœur sur la personne qui a acheté les jouets et pendant ce temps, l'assistant de l'oncle de Toshan surveillait Myung et a entendu la réponse de sa petite sœur sur la personne qui a acheté les jouets et a découvert que c'était Toshan. Un jour, Toshan parlait avec son assistant qui lui dit qu'il voit qu'il est devenu heureux ces derniers temps. Toshan lui répond en lui disant qu'il remarque aussi qu'il est très heureux et aimerait le rester tout le temps. Le lendemain, Myung revient du travail avec sa collègue Kosha et remarque qu'il l'aime beaucoup et pendant ce temps, Myung trouve des photos d'elle avec Toshan éparpillées sur internet et c'était écrit dessus « Toshan et sa nouvelle petite amie ». Myung a l'air nerveux et Kosha lui dit qu'elle devrait annuler le contrat entre elle et Toshan et aller vivre avec sa mère et soudain, Toshan apparaît et dit à Myung qu'il l'a beaucoup appelée et elle ne le rappelle pas mais Myung reste silencieux. Kosha intervient et demande à Toshan de rester à l'écart de Myung car il ne l'utilise que pour ses intérêts personnels. Toshan répond en disant qu'il va annuler le contrat et demande à Myung de vivre chez lui avec lui car il l'aime et s'en va. Kosha dit à Myung qu'il est amoureux d'elle depuis 7 ans, mais il n'a pas trouvé l'occasion d'admettre ses sentiments pour elle. Myung répond en disant qu'elle l'aime comme son ami et qu'il est impossible d'oublier son aide après la mort de son père et apprécie ses sentiments, mais elle aime quelqu'un d'autre et veut terminer le reste de sa vie avec lui. Puis elle se rend à Toshan et lui demande de ne pas annuler le contrat afin qu'il puisse obtenir l'héritage de sa grand-mère. Après cela, Toshan récupère l'héritage et retrouve sur son chemin son oncle qui lui dit qu'il n'est qu'un imposteur car il est venu au tribunal avec un enfant qui n'est pas sa fille. Toshan lui répond en disant que le testament ne précise pas la légitimité de l'enfant ou qu'il est réel et dit aussi qu'il ne sera pas autorisé à recevoir l'héritage. L'oncle de Toshan lui dit que c'est lui qui l'a élevé afin d'obtenir de la sympathie de sa part, mais Toshan lui dit qu'il ne se souvient pas d'un jour où il l'a bien traité et que seule sa grand-mère se souciait de lui. Après cela, Toshan se rend chez les camarades de classe de Nojin et les invite à un voyage de camping en présence des parents des enfants et il semble que Nojin était heureuse d'avoir un père et que ses camarades de classe ne se moquent pas d'elle. Toshan rentre chez lui et dit à Myung qu'il a annulé l'ancien contrat et lui en offre un nouveau contrat et quand Myung ouvre l'enveloppe, elle trouve à l'intérieur une lettre disant qu'il l'aime et lui propose de l'épouser. Myung était très heureuse et lui dit qu'elle l'aime aussi et est prête à vivre avec lui toute sa vie jusqu'à la mort.